Vous le savez, après Pâques, il y a les 40 jours de la résurrection, du temps de Pâques, où Jésus prend du temps avec ses disciples pour être celui qui est ressuscité au milieu d'eux. Et puis, il y a l'ascension, où Jésus monte vers le Père, et entre l'ascension et la Pentecôte, il y a 10 jours, où les apôtres sont ce qu'on appelle au Cénacle, avec la Vierge Marie, où ils attendent l'Esprit Saint. Entre l'ascension et la Pentecôte, l'Église tout entière attend l'Esprit Saint, comme les apôtres autour de la Vierge Marie au Cénacle à Jérusalem attendaient l'Esprit Saint. Cette année, nous voudrions vous inviter tout particulièrement le mardi 18 mai pour cette veillée de prière, cette veillée où nous allons prendre le temps de prier, d'écouter la parole de Dieu, de prier les uns pour les autres et de demander particulièrement l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il nous est donné le jour de notre baptême, le jour de notre confirmation, il nous est donné chaque jour, mais plus nous le demandons, plus nous le recevons. Et donc je vous invite à nous rejoindre, très simplement, le 18 mai, 17h, on se retrouvera dans l'église Saint-Eugène pour demander l'Esprit Saint. C'est à la fois très simple, normal, mais également nous avons besoin de le demander, de l'attendre tous ensemble, comme les apôtres autour de la Vierge Marie au Cénacle. Alors, je vous donne rendez-vous le 18 mai, c'est un temps de prière ouvert à tous, un temps où nous allons prendre la parole de Dieu, chanter et prier les uns pour les autres et demander particulièrement l'Esprit Saint. Rendez-vous le 18 mai, 17h à l'église Saint-Eugène pour cette grande et belle veillée de prière, d'attente de l'Esprit Saint. À très bientôt.